Rencontrer les sources sur la Transgare FM. Comment va-t-il réussir jusqu'à Bucarest? Réponse dans cet épisode. Le voir derrière moi, je me trouve non pas à Budapest mais à Bucarest, c'est la capitale de la Roumanie. Et le bâtiment qui est derrière moi, c'est le Parlement, c'est le plus grand bâtiment administratif du monde derrière le Pentagone. Il a été construit par le dictateur communiste Ceaușescu dans les années 80. Et en fait, il devait réunir le Parlement, le tribunal administratif, des services de l'État et le palais présidentiel. Le plus grand bâtiment qui représente l'État, donc c'est un bâtiment mégalomane, néoclassique, en béton, et les chiffres sont juste impressionnants. Il fait plus de 1 million de tonnes et 1/5 du centre-ville de Bucarest a été rasé pour construire ce bâtiment. Donc on peut pas le visiter, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais car il y a un événement international qui s'y produit actuellement. Donc ce sera pour une prochaine fois, et moi en attendant je vais visiter le reste de la ville et je vais essayer pas trop m'envoler parce que là ça vente mais vraiment beaucoup beaucoup. Bon, je dois vous avouer que Bucarest, c'est pas la plus belle des villes que j'ai pu visiter au cours de mes voyages. La pire place restera à Managua, au Nicaragua. Mais en tout cas, il y a un point positif, c'est qu'ici, il y a quand même plus d'arbres qu'à Bordeaux et de parcs. Et ça, ça fait plaisir. Et ça vente. Putain. Bon, bah là, on se demande qui a copié sur qui, hein, si c'est Rome qui est né en premier ou Bucarest, hein. Faut juste savoir qu'avant, ici, la Roumanie, c'était la Dace et ça a été conquis par les Romains. Et c'est pour ça que le roumain, c'est des origines latines et qu'on se comprend en parlant français. À Bucarest, c'est assez commun de trouver plein de petits monastères avec plein de petites églises. On sent qu'on se rapproche de l'Orient parce que maintenant il n'y a que des cafés turcs. Donc là on continue la visite de Bucarest avec cette fois-ci le restaurant peut-être le plus connu de la ville qui s'appelle le Carucu Bere, donc ça veut dire la carabière. Je vous laisse deviner ce que je vais faire à l'instant. J'ai pris la bière locale. Ça serait
Alors, vous devez vous dire que je me trouve dans un village car le décor a changé, mais non, je suis toujours à Bucarest et je suis dans un lieu vraiment spécial, c'est ce qu'ils appellent le musée du village roumain et donc ils ont reconstitué un village roumain entier à Bucarest avec l'ensemble des techniques architecturales dans le pays, donc je pense qu'on va, pour ceux qui ont regardé les autres vidéos avant, vont reconnaître certains lieux que j'ai déjà montrés en vidéo. Les Roumains, ce sont des coquins parce que en fait, ils reconstruisent pas les maisons, ils les prennent directement sur leur lieu d'origine et ils les mettent ici dans ce musée. Et on peut pas visiter l'intérieur des maisons, tout est en reconstruction. Bon bah là c'est bientôt 5h et je vais rejoindre Victor, donc mon ami polonais avec qui je voyage depuis quelques jours, qui m'avait distancé quand il pleuvait beaucoup pour arriver à Bucarest. Et là il m'a envoyé un message pour qu'on aille se boire une pinte cet après-midi. You're happy? La prochaine fois, j'installe la tireuse à bière sur le vélo. Hey Pepep, là, abonne-toi, hein. Oublie pas de poser un like aussi, puis si t'as envie de rien mettre, bah mets rien ou mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors là, il va se passer vraiment un truc de malade. Je m'arrête juste pour réserver mon auberge de jeunesse à Bucarest. Et là, il y a un mec qui me regarde en face et qui me fait un signe sur le ventre, sur la main. Et moi, je dis non, non, ça va. Et là, il vient avec un plateau et une boisson. Il me l'offre et il me dit, t'es trop maigre, faut que tu manges. C'est fou, quoi. Ce pays, il est dingue. Il est dingue.